adolescent, Emmanuel Macron était fan d'Hélène et les garçons. C'est Jean-Luc Azoulay, le producteur de la série, qui révèle ce samedi 16 mars cette drôle d'information concernant le président de la République dans les colonnes du Parisien. Skip. Les aventures d'Hélène, Nicolas, Cri-Cri d'amour et les autres continuent de passionner les foules, 27 ans après la diffusion du premier épisode d'Hélène et les garçons. Ce samedi 16 mars, TMC diffusera le 500e épisode des Mystères de l'amour. À cette occasion, Le Parisien a suivi l'équipe de tournage pendant une journée entière. De quoi faire le plein d'anecdotes souvent loufoques, comme celle de Patrick Puydra, qui s'est souvenu de son casting pour la série « Je sortais d'une rave party ». Ils m'ont dit « On aimerait bien vous revoir ». Mais vous ne voudriez pas vous laver les cheveux? Mais ce n'est rien à côté des souvenirs de Jean-Luc Azoulay, le producteur depuis 1992. Le patron d'AB Productions est à lui tout seul l'auteur des 1600 scénarios d'Hélène, et les garçons, et ses suites. Lui qui tire depuis le début les ficelles de la série sait comment plaire au public, je raconte des histoires avec un univers semi-réaliste. C'est de la comédie et de la romance. C'est ainsi qu'il a eu l'idée de mettre en scène un couple à trois inspiré d'une série Netflix. Et ça plaît, puisque tous les week-ends, 700 000 téléspectateurs se retrouvent devant TMC aux alentours de 18h50 pour voir ce qui va arriver aux personnages de la série. C'est donc avec une certaine assurance que Jean-Luc Azoulay a pu faire une révélation concernant Emmanuel Macron. Le producteur a assuré aux Parisiens que le président de la République était fan de la série quand il était ado. Difficile de vérifier l'information du créateur d'Hélène et les garçons, qui est aussi un spécialiste pour vendre du rêve. Ce qu'il compte faire encore très longtemps, tant que le public sera là, nous aussi.